Un embrayage à compensation automatique d'usure, c'est quoi exactement? L'embrayage est situé entre le moteur et la boîte de vitesse et contrôle la transmission de la force. Un embrayage ouvert interrompt le flux d'effort, alors qu'un embrayage fermé permet la transmission de la force. À chaque passage de rapport, le plateau de pression et le disque sont soumis à l'usure. Les disques et garnitures d'embrayage sont notamment conçus comme pièces d'usure. Sollicitées pendant toute leur utilisation, les garnitures s'usent. Le diaphragme, situé à l'intérieur du plateau de pression, permet de compenser automatiquement cette usure et d'assurer le bon fonctionnement. Dans les embrayages classiques, plus l'usure augmente, plus le conducteur doit exercer une pression forte sur la pédale d'embrayage. L'usure des garnitures augmente l'effort de commande. Pour y remédier, Luc a développé l'embrayage à compensation automatique d'usure, le SAC. Avec ce mécanisme innovant, la garniture peut rester une pièce d'usure et s'amincir. Les conséquences du patinage du disque d'embrayage et du diaphragme en résultant sont réduites par le système de compensation automatique. Un anneau à rampe compense l'usure des garnitures sous le plateau de pression et contribue à maintenir la géométrie de l'embrayage pendant toute sa vie. Ainsi, l'effort de commande cesse de croître, ce qui permet de retrouver le confort qu'offre l'utilisation de la pédale d'un embrayage tout neuf. Encore une technologie exemplaire de Luc pour les constructeurs automobiles du monde entier et indispensable pour l'aftermarket. Faites confiance aux solutions d'une marque OE et profitez de notre expertise. Vous trouverez plus d'informations techniques, des brochures produits et des vidéos sur le site Schaeffler Automotive Aftermarket ou sur notre portail pour garagistes www.repexpert.com.